été utilisé non pour lutter quand on parlait avec votre bien. Noter, faire lecture dimanche, c'était là en Philippiens. Noter livre en Philippiens chapitre 3. Et noter livre sorti dans verset 12, livre dans verset 16. Comme il parle en ville, on a refait lecture encore. Pour nous essayer de faire nos résumés de messages que nous avons gagné dimanche matin. Et nous avons encouragé tout le monde pour nous lire tout le chapitre et même tout le livre, lettre que Paul a adressé à peuple Philippe là, parce que c'est seulement 4 chapitres que nous avons. Et nous avons gagné assez de temps pendant ce moment, nous avons pu lire. Moi, je vais lire pour nous. Dans le chapitre 3, ce titre dans verset 12, rivé dans verset 16. M'appelez pour nous comme ça. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes à quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchant de même pas. Et nous sommes plus campés sur la dernière partie que nous lisons dans verset 16 là, côté de dire seulement au point où nous sommes parvenus, marchant de même pas. Et le message que nous avons reçu pour nous adresser à peuple bon Dieu, il était connecté ensemble avec le message que nous t'ai adressé à peuple bon Dieu avant ça. Et le message que nous t'ai adressé avant, il t'ai parlé d'un nouveau départ. Et nous t'ai voilà un nouveau départ, c'est parce que nous t'ai gagné le départ avant et que nous t'ai venu prendre le départ tout neuf. Parce que emprunter une route. Mais nous sommes spécifiques dans la route que nous voulons emprunter. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est un objectif, c'est une promesse que bon Dieu, Jésus lui-même, nous fait à nous-mêmes. Et je vous ai venu pour nous réconcilier nous avec bon Dieu. Parce que bon Dieu crée l'univers à tout ça qu'il a dans. Et bon Dieu crée l'homme. Bon Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et bon Dieu te crée l'homme bon. Bon Dieu te crée l'homme parfait. Mais à cause de la désobéissance d'Adam, qui s'est premier homme, que bon Dieu te crée avec Ève, à cause de désobéissance, je t'ai vu séparé d'avec Dieu. La relation que j'ai gagnée avec mon Dieu, je t'ai vu interrompu à cause du péché. Et à cause de désobéissance, le péché vient entrer dans le monde et l'homme vient pas capable, l'homme vient écarter de route que mon Dieu, de plan que mon Dieu lui-même était fait pour lui. Et à cause de désobéissance ça, à cause du péché, l'homme vient à souffrir, que bon Dieu va créer l'homme pour l'homme de souffrir. Bon Dieu t'a créé l'homme pour l'homme de vivre bien.
Parce que le bon Dieu finit créer toute bagaille, et puis il finit créer l'homme, il était ouvert toute bagaille, t'es bon. L'homme t'est parfait, l'homme t'est bon, mais que bon Dieu créé. Bon Dieu créé l'homme bon, bon Dieu créé l'homme parfait, mais l'homme vient choisir désobéir, vient choisir par une autre route, l'homme vient tomber dans la désobéissance et le péché vient entrer dans le monde. Mais ça, on peut nous dire qu'on y est, après que l'homme fait le péché, bon Dieu fait un plan pour l'homme, bon Dieu voyait Jésus petit nous, venir réconcilier nous avec nous, laisse nous accepter Jésus qui vient nous, qui mourir pour nous, laisse nous accepter que Jésus c'est pour nous lui mourir, nous mourir avec le péché que nous avons gagné, et laisse nous ressusciter avec Christ, nous venir à vivre en Christ. C'est ça que nous dit, c'est pas nous, Paul dit, c'est pas lui-même qui a vécu pour nous, mais c'est Christ qui a vécu pour nous. C'est pour ça qu'il a vécu pour les chrétiens. Les chrétiens ont vécu à vivre et pour nous voir que c'est Christ qui a vécu pour nous. Et c'est ça que fait les humains viennent accepter Christ, ils ont des chrétiens. Et les autres ben chrétiens, ils ont ça, ils ont des chrétiens. C'est parce que la façon que ils ont vécu là, ils ont reflété l'image de Jésus-Christ. La façon que vous êtes comporté, vous êtes vu, c'est comme si c'était Jésus-Christ. Vous êtes vu là-haut comme des disciples de Christ. Les disciples, vous marchez même sur la mètre là. Les disciples, vous copiez sous mètre là. À chaque fois que vous avez un bagage pour présenter devant vous, si mètre là-bas là, vous demandez, vous dites tout. Si mètre là est là, qui ça, mètre là, t'a fait dans le cas ça? C'est ça fait ou toujours là, tout ça en fait pour chercher refléter image mettre là et nous mais, et Jésus il est mort pour nous et il ressuscité mais il fait nos promesses il dit nous pour aller il va préparer une place mais personne pas connaît qui côté. Et l'idée de préparer nos places, et la retourner, et la prendre avec lui, côté du Vaïa, c'est là nous va et tout. Le Jésus-Christ a vivre avec les disciples qui t'a penché avec lui, il n'y a pas de manquer rien. C'est le Jésus-Christ avec nous, nous ne pas manquer rien. Si nous avons marché main à main avec Christ, nous ne pas manquer rien. Si nous faisons bon Dieu confiance, nous ne pas manquer rien. C'est ça que fait. Nous croyons la promesse à Jésus à nous préparer une place pour nous et la boutonner la vienne chercher nous pour nous capables d'aller avec lui. Mais nous ne connaissons pas la route là. Mais Jésus dit nous, de ce chemin, de ce route là. De ce route qui mène à côté ça que nous pouvons préparer pour nous. Parce que pour nous arriver côté que nous devons arriver avec Christ, il faut que nous passions par une route. Et route ça, c'est encore Jésus-Christ. Et comment pour nous marcher la route ça? C'est là nous quitter les yeux, nous fixer sur Jésus. Et la lecture que nous fait le passage Philippiens chapitre 3, là, nous regardons dans verset 16 là, quand il dit, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Paul toujours fait allusion à marche dans la vie chrétienne là, comme une course. Parce que marcher dans la vie chrétienne, c'est une lutte. Une lutte, c'est un combat. C'est une course. C'est une marche. Mais il y a différentes façons pour mettre la marche ça. Il y a différentes façons pour gagner la course ça. Parce que un athlète qui peut aller dans la course, Jean qui parle toujours décrit, il y a un pile entraînement pour lui faire. Il y a un pile training, il y a un pile exercice pour lui faire, pour lui capable prêt pour la course là. Mais nous-mêmes, la focus aujourd'hui là, sur marcher ensemble. Comment nous sommes capables de marcher ensemble? Et notez pas un exemple, côté que nous avons dit que nous ne pas considérer tant que c'est une course, tant que un peu le monde qui a couru pour remporter un prix.
considérer lui donc nous tous chrétiens nous faisons un seul en Christ et nous faisons un seul corps en Christ et ça nous te considérer le corps humain nous avons pieds nous avons bras nous avons tête nous avons yeux nous tout fait partie du corps et nous allons marcher nous capiller un bagage que nous pas voulons piler nous pas piler un bagage tout que nous pas devons piler nous capiller un bagage qui rend nous sale nous capiller un bagage qui sale que nous mais ça qui arrive dans situation ça là nous piler un bagage que nous pas devons piler un bagage qui sale nous nous te poser une question est-ce que ça arrive parce que nous pouvons bien nous jeter parce que nous vivons sale mais nous pas faire ça nous pas couper jeter pour qui ça parce que il fait partie du corps et qui ça qui passe tout corps ensemble mettez tête ensemble pour retirer saleté ça qui dans pierre qui fait partie du corps et nos yeux nous dirigent mais nous et mais nous notre pierre retirer toute saleté qui l'a donné et puis ça a venu bon encore et bien, c'est comme ça que nous devons marcher vers le but. C'est pour ça que nous devons marcher pour nous arriver côté Christ, vrai que nous vivons. Et façon pour nous marcher, c'est là nous faire un seul avec Christ. C'est là nous, nous tous ensemble, nous formons un seul corps. Et la marche ensemble, ça, c'est l'un supporter l'autre. C'est l'un qui aime l'autre. C'est l'un voir les yeux sur l'autre. C'est pas l'un à voir Toya sur l'autre. C'est pas l'un à mettre piège pour l'autre. Mais c'est marcher ensemble. C'est marcher avec un seul objectif. C'est marcher la même discipline. C'est pour nous rester ensemble. Pour nous faire un seul, le corps ça. Là, ça, on est capable de marcher ensemble. Et nous te prenons l'exemple, soldat, là, il a marché. Nous voyons marcher ensemble. Ils lèvent les pieds ensemble. Ils déposent ensemble. C'est harmonie ça que nous besoin de marcher ensemble. Là, nous gagnons même objectif. Là, nous gagnons même vision. Là, nous tout ensemble, nous fixons Dieu nous sur Jésus-Christ. Là, ça, nous venons gagner un comportement qui fait nous refléter Christ là la façon que nous vivons. Exemple, nous devons encore, là, nous la travaillons. Il y a un peu de monde qui la travaille. Et il n'y a pas même parlé avec nous, mais le monde connaît la façon que le monde s'est comporté dans le travail. Il connaît le monde dans son chrétien. Le, ou bien un comportement comme ça, ou pas besoin de monde que c'est chrétien. Ou pas besoin de marcher de monde que c'est chrétien. Comportement, façon que réagit. Façon que on vit, façon que on marche, façon que on parle, doit dire monde que c'est chrétien. Parce que chrétien, nous devons façon que nous vivons. Et nous t'avons encouragé dans le chapitre 3 et tout livre, parce que il y a un pire message que bon Dieu voulait adresser à nous-mêmes dans l'être que Paul lui-même lui a adressé à Père Philippe. Et un gros frère que Paul fait à Paul Philippe là, qui a, c'est un pire bagage qui a aidé nous à marcher de même pas, qui a aidé nous à mener nos vies chrétiennes qui dignes de chrétiens, qui dignes du monde qui dit qu'il observe Christ. Nous besoin de mettre nous ensemble, nous besoin de fixer les yeux nous sur notre là, nous besoin de fixer les yeux nous sur Jésus. En résumé, c'est de ça que nous avons parlé dans le message là. Nous n'avons pas détaillé tout le monde net. Et nous avons la possibilité de connaître pour nous participer ensemble. Et ensemble, nous allons débattre le sujet là. Nous allons élargir, nous allons prendre dans un cadre qui est plus large. Côté que, après les questions que nous allons poser, nous allons débattre ensemble. C'est des questions que nous n'avons pas sur toi et nous de dire. Nous avons un pasteur qui va nous faire avec nous et l'autre frère qui va porter plus de lumière et
nous capables de débattre ensemble sur ce sujet, ça, comment nous capables de marcher ensemble pour Christ. Et c'est là où nous étions, et nous avons fait place à la question parce que nous avons beaucoup de temps pour nous capables de parler. Beaucoup moins largement, à travers la question. Nous, à travers le pasteur. D'accord, nous disons bon Dieu merci et tout le monde qui a côté avec nous. Moment arrivé pour questions, frère Faustin est disponible pour recevoir questions dans nous toutes. Nous t'as souhaité, nous toutes mettez tête nous ensemble pour nous participer vraiment à la question, parce que c'est très important. Vendredi dernier, c'était une étude extraordinaire, mais nous voyons que le peuple n'est pas prêt pour poser autant de questions que possible. Askoya, nous t'as souhaité qu'on participe largement dans des questions et que bon Dieu bénisse. Frère Faustin disponible et disposé pour répondre à nos questions. Bon Dieu bénisse. Pablo, on va poser des questions sur Facebook. On va faire lecture des questions pour même. L'unité des frères, c'est le sujet. Donc, nous attendons chaque monde qui peut poser des questions. Et fait ça pour nous tous apprendre. Parce que à travers des questions, là, un pilote monde va apprendre. Qui est-ce qui a posé la première question pour nous, s'il vous plaît, professeur disponible. Toujours faire apparition sur vos questions, fait ça. Nous tous donc qui sommes parfaits
et on sait même penser. M'a même continuer m'a camper là sur mon ça et nous toujours tendre et le monde a parlé de tout que le papa fait c'est bon Dieu parfait. Mais nous on verset a dit nous clairement là nous tous donc qui sommes parfaits. Nous tous ça de là qui est pour t'a parler qui nous dit parfait comme ça. OK. Moi pas comme ce songe sur la peau, moi je dis bon Dieu, tu crées tout bagaille. Et après, tu crées tout bagaille, tu crées l'homme. Tu crées l'homme bon, tu crées l'homme parfait. Et l'homme vient pas parfait après que Adam vient désobéir et laisse le péché de notre dans le monde. C'est ça qui vient faire l'homme pas parfait. Mais bon Dieu fait un autre plan pour nous. Bon Dieu voit Jésus vient mourir pour nous capables de réconcilier avec nous. À cause du péché, l'homme, puisque bon Dieu t'a créé le parfait, bon Dieu t'a créé pour lui vivre bien, à cause du péché, à cause de la désobéissance, l'homme vient perdre la toute qualité d'abeille. Et à cause du péché. Dès que le péché vient entrer dans le monde, vient gagner le mal. Et nous, le monde va être gagné, Caïn vient tuer Abel. Pourquoi? C'est parce que l'homme vient perdre une relation avec bon Dieu. Mais automatiquement, que vous établit une relation avec bon Dieu, l'homme vient parfait. Et si vous regardez là, un autre livre, Romains chapitre 6. On y reverse 11, on m'appelle pour eux. Vous dites ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, ou bien chrétien, c'est parce que, moi j'ai dit ça dans le message, c'est parce que le Saint-Esprit vient toucher le cœur et vous venez comprendre que façon pour amener Dieu là, parce qu'on va vivre, nous parlons plein de Dieu, nous parlons volontiers de Dieu. Mais où le monde détourne de mauvaises voies, là où le monde quitte voie péché pour lui détourner de lui, pour lui suivre Christ, c'est parce que Saint-Esprit, bon Dieu, parle dans lui, fait prendre conscience de l'Italie. Parce que si on n'a pas connaît l'Italie, pour lui connaître la vie, le péché, nous ne pouvons pas quitter ça l'affaire pour venir sur Christ, pour quitter le péché. Et nous avons été créé l'homme, nous avons créé l'homme bon, nous avons créé l'homme parfait, et automatiquement, nous retournons de péché et accepter Christ. Et Christ a vivre là-haut, nous venons parfait. Et là, on regarde dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qui ça dit, non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça qui fait le marché à Christ, le mener une vie parfaite. Est-ce que ça veut dire c'est un habit de langage, les noms prend les noms plus désir. Le plus souvent nous dit pas que nous n'a pas fait et c'est bon Dieu parfait. Est-ce que ça c'est un habit de langage? Nous, j'ai un peu de chrétien qui dit tout ça. En pire fois, on a parlé, nous disons n'importe quoi, sans réfléchir. Et du fait que vous posez une question sur nous là, ça ouvre les yeux, notamment pour nous voir que le langage, ça, c'est pas un langage pour nous chrétiens gagner. Parce que leur chrétien, vous voulez monter au péché. Leur chrétien, vous voulez marcher. Alors, c'est pas où tu as vivre encore. C'est Christ qui a vivre en vous. Si Christ a vivre en vous, vous ne pouvez pas dire pas parfait. Et vous pouvez me dire là. Ça veut dire que c'est à force que vous avez dit que vous n'êtes pas parfait et vous avez accepté, vous avez fait tomber, levé. Mais si vous marchez en nouveauté de vie, si vous
bon retourner sur le terrain. Nous tout le temps réfléchi, nous avons fait nos côtés avec Christ. Nous avons fait nos côtés avec Christ, ou même pour réaliser à propre Dieu ou son autre monde. Pour que ça? Parce que si tout le monde qui dépend de vous, automatiquement on va dire à Christ, ou qui de vous. L'homme nous offre une cigarette, ou tout le monde va faire ça encore. C'est ça qui fait que vous n'avez pas fait. C'est ça qui fait que vous n'avez pas fait. Je viens ouvrir. On vient retirer tout ça qui n'est pas bon. Dieu vient nous ouvrir sur nous, on vient nous pas bon, et que vous rejetez. Vous comprenez? C'est ça que Christ relève nous, bon Dieu relève nous, pour nous venir, je vais nous faire un petit. Parce que si vous voulez, il y a grandi, il y a appris. Mais bon Dieu parle de nous pour nous rester dans un petit. C'est ça qui faut grandir. Que le l'autre, le monde blanc. On va bien passer le week-end, que ce n'est pas là, mais on va aller le dimanche passé. On va bien passer le vendredi soir, que ce n'est pas dans le café pour dormir, tandis qu'on vient madame la caillou. Mais là, on vient de prendre la Christ, je viens de vivre ou un bagage à eux, condition ça, ce n'est pas condition de vie pour eux, ou même en tant que chrétien à vivre. Et au titre, c'est ça qui permet, je viens de vivre. Mais au vin grandir, c'est là où vous rejetez, ou pas tourner là-dedans. Au vin grandir, plus tant que tout le monde, mais ou pas appeler à vivre tant que tout le monde, ou appeler à grandir. Mais, tout le monde, vous arrivez à niveau de perfection pour vivre, hein? C'est là. Ou mourir avec Christ. Parce que, pas oublier, ou toujours vivre comme ça. Quand on sépare, nous avons corps, nous avons âme et esprit. C'est ça qui fait vie chrétienne, c'est au combat, c'est au lutte. Pour qui ça? C'est parce que, ou toujours comme ça. Parce que, comme ça, nous avons souillé à cause de la désobéissance. Et ça fait, le roi vit en tant que chrétien, ou pas vivre pour vous, ou vivre pour Christ. Parce que au même moment, ils sont partis les sentiments ardents, la chair à plein roi. Ou pas capable de mener une vie nouveau. Ou pas capable de vivre, ou pas capable de marcher un nouveau type de vie. Vous comprenez? C'est là que le Seigneur a grandi, jusqu'à ce que la vie vive en nouveau, peut-être ouais. Et il y a des bailleurs où on a fait effort, prier sur eux, faire un effort, et que les parents aient un conseil de monde, parce que le monde savait prendre certaines maturités. Mais on regarde des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'évangile, il y a toujours tout le monde. Bah, comme c'est satisfait de réponse même. Bon, même Jean-Frère Harry Faustin dit nous, nous devons, son langage vraiment, puis le monde gagne, que nous ne pouvons pas gagner, parce que sous ces petits bondiers. Imaginons dans Colossiens chapitre 3, le verset 12, la Bible voit nous comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, dis-nous, nous sommes sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et dans Matthieu chapitre 5, le verset 48, il dit, soyez parfaits, car votre Père céleste est parfait. Donc, il y a un monde qui a une conception que nous, pas un monde qui est parfait, les conceptions qui sont fausses, parce que depuis en Jésus, ou doit vivre d'une manière digne de l'évangile. Même Jean Galates 2, verset 20, apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Jésus-Christ a vivre dans vous. Ou capable de dire, ou parfait. Et ça fait le monde qui est parfait. Le fait que ou parfait, pas veut dire que ou sans péché. Parce que gain irréprochable.
ou capable parfait et irréprochable. Lorsque ou parfait ou tombé dans le péché, automatiquement, vous avez reconnu tout pour retirer qu'on la donne. Ou que t'as connu, ou pas même t'as nous monde, viens dire qu'on fait un bagage qui pas bon. Ou pas que t'as ouais qu'on fait un bagage qui pas bon. Nous toujours fait différence ça entre yon pousseau et yon brebis, que nous capables de dire, yon mouton. Pousseau, c'est diable pour vivre dans la boule. Dans la boule, ça t'il bien. Mais mouton, si par accident, tombe dans la boue. Donc, la couille vite sortit la donne. Parce que ce n'est pas place, lui. Eh bien, c'est comme ça que nous devons considérer tête, nous. S'il avait dit dans Matthieu 5, 48, soyez parfait, car votre Père Céleste est parfait. Donc, c'est ça que nous devons dire. Merci, frère. Oui. Sans ajouter, frère, juste avant que vous continuiez. Ok. Mon Facebook, c'est seulement tête, oui. Sur ma tête, moi? Yeah. Et tu veux le voir encore? Non, moi, moi, très bien. Je ne sais pas si j'ai un pasteur, mais téléphone, ma connaître. Non, nous, très bien. Nous, très bien. Il paraît très bien. Actuellement, sur Facebook, il paraît très bien. Mon Facebook, il est dit, il paraît bien. Oh. Frère Enzo, vous capable de brancher sur Facebook. Essayez de brancher sur Facebook ou regardez vous-même. Mais pour moi-même, Facebook m'a très bien. Oui. Ça me t'avait ajouté pour Frère Enzo. Non, je n'ai pas besoin d'ajouter rien encore. Non, c'est pour. À bout de langage là, parce que nous disons en pile, mais nous connaissons à bout de langage là. Sommes des besoins qui nous font le point sur lui. Oui, là, comment dit pour pas vraiment pour vous, c'est sous question. Parce que nous connaissons une question, vous avez pensé. Nous connaissons ça, me dit tout. Ça me dit tout. Et où élaborer un peu sur lui. Le salaire du péché, c'est la mort. Bon Dieu créé Adam, bon, parfait. Automatiquement, que Adam péché. Adam vient mourir. Et c'est ça que fait, la mort vient entrer dans le monde. Salaire, péché Adam, c'est la mort. Pour nous vivre paraître devant bon Dieu, nous ne pouvons pas paraître devant nous-mêmes. Nous pouvons paraître devant bon Dieu seulement à travers Jésus-Christ. Parce que bon Dieu crée nos bons et nos péchés, nous ne pouvons pas faire que nous méritons, c'est le mort. Nous ne pouvons pas paraître devant bon Dieu. C'est Jésus-Christ. Et qui fait Jésus-Christ, même là encore, où Jésus-Christ mène nous devant mon Dieu, c'est parce qu'il prend la mort pour nous. Ça veut dire ça que l'homme chrétien, l'homme accepte Christ, ou mourit avec péché et ou ressuscité avec Christ. C'est ça que fait chrétien, hein, pas de vivre pour tête, ni de vivre pour Christ. C'est ça que je veux dire. Yeah, et bien, soit les tout dans Somme 42, verset 6. Il dit clair, vous êtes des dieux. Yes. Petit Dieu. Alors, si bon Dieu n'est pas fait, vous-même, vous êtes petit Dieu. Vous n'êtes pas fait. Ah, mais en plus de tout, c'est ça nous dit qu'il limite. Nous limitons tout le monde. C'est ça que fait. Et regardez, chaque monde que Jésus, qui a blessé, qui a approché Jésus, et que Jésus guérit, nous dit ta foi t'a sauvé. C'est parce que nous croyons. Le Christ qui fait des guéris. Dieu m'a prié pour lui, mais il n'y a pas quoi dans la prière qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? Moi, plus que la mal. Et c'est ça qui fait mal, un peu fois triompher devant mon Dieu. C'est parce que vous croyez la mal. Vous pas quoi dans la mal de vrai. Vous doutez. Vous ne pouvez pas croire
et bénédiction. Bon Dieu bénis-nous. Bon Dieu bénis-nous, sister. Salut, nous nommons Jésus et nous comptons pour capable ensemble avec nous en soirée. Alors, nous devons ajouter un petit bémol tout petit concernant des mots parfaits. Alors, le plus souvent, ça fait mon yo dit au pas parfait, c'est parce que on manque conscient que nature bon Dieu a qui est dans yo. Parce que depuis venir accepter Jésus, vous venez gagner une double nature, vous venez gagner nature Christ ou partager ensemble avec Jésus-Christ ou venez faire un seul avec ou gagner nature Christ. C'est une sorte de mentalité qui est liée. Pour vu que depuis nous nous convertis, depuis nous lever la tendelle, qu'on a vu incarner dans la pensée, on a vu penser comme ça, après des versions qui traduisent, qui disent, nous tous qui sommes spirituellement adultes, ça veut dire pour nous ne croyons pas faire, faut gagner en maturité, faut l'adulte. Mais s'ils sont bébés spirituellement, c'est impossible pour qu'on le parfait parce que depuis les faire un bagage qui passe ça, les attribuer la salle fait qui passe ça, mais pas attribuer avec nature divine avec nature Christ mettez en donne. Lorsque un chrétien ou tombe ou fait un bagage qui pas bien, ou pas lui attribuer à son fait qui pas bon. Ou de toujours être dans position Christ mettez là. Lorsque tu es dans position Christ mettez là, là vitement pour relever. Ou vite pour conscient pour capable qu'on est faire pas bon mais immédiatement attribué à son faire c'est comme si bon bagaille là mon après toujours dit moi pas dit moi même là mon dit non pas bon ou pas digne bible va dit ça pas jamais moi bible a dit ça moi même on ta font erreur mais ça va dire pas bon vous comprendre moi dit comme ça pas bon pas digne c'est erreur pour ta prio non c'est pécheur moi pas dit ça parce que l'ordre où c'est pécheur Yon pied bois, ça sort de cri là, il donne. Sous de nous, c'est péché. Et péché, on donne. Parce qu'on attribue de nous, c'est péché. Vous comprenez, Christ, pas aucun côté dans la Bible, il décrit nous comme péché. Vous comprenez, depuis nous venons accepter Jésus, il va nous non ça. Puisque la Bible va nous non ça, c'est pas parce que y a quelqu'un qui dit ça, ou c'est parce qu'on met au supérieur, c'est orgueil, qui faut, la Bible a dit pas quelqu'un qui s'en péché, c'est-à-dire qu'il faut dire comme ça, ou pas péché. Bible va relever nos péchés. Si t'as nos versets qui parlent de ça, Bible va relever nos péchés, mais comme si mon qui lit plus facile, on t'a fait me comprendre. Même pas quoi Bible va relever. Ce sont des mentalités qu'elle lit. Son niveau spirituel pour mon rien pour comprendre comme ça. Alors c'est ça. Bon Dieu, de nous venir, je ne t'ai pas dit, mais faut que nous grandissions, Bible va relever nous pour nous vivre, t'as pas dit, de relever nous pour nous. Nous commençons à continuer parce que c'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. Tout bagaille qui prend naissance devient grandi. Même un bagaille que vous créez dans le monde pour servir. Là, vous faites sortir avec lui. Vous ne pouvez pas dire que vous servez avec. C'est apprendre, tout le monde vient apprendre à servir avec. On a ces mêmes gens tout. Le monde qui vient entrer dans l'évangile là. Il ne pas connaître qui j'ai pour comporter lui. Il ne pas connaître si un bagaille qui pas doué. Il n'y a pas de participer là-dedans. C'est pendant que il vient pour rien, c'est ça que le message à grand côté, tout ça. Il y a des gens qui disent, il n'y a pas de ça, il y a besoin de accepter Jésus. Parce que il y a des gens qui disent, c'est chrétien. Selon eux, mais nous, c'est le monde, ça. Parce que il y a des gens qui disent, c'est chrétien, il y en a tout sauf. Ça veut dire, on doit grandir. Il y a des bagages qui ne pas pour encore. Mais ce n'est pas demeurer dans la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas. C'est ça que fait. Nous devons marcher ensemble. Nous devons sur l'autre. Nous exhorter l'autre. Là où vous faites exhorter, ce n'est pas vous, mais vous devez avoir. Et au même temps, là où vous exhorter, ce n'est pas juger pour juger. Parce que Dieu ne va pas se conjuger de personne. C'est pour nous faire le plat ensemble. Ils sont avancés, frère. Si on dit un bagage qui contrait avec la Bible, ou dit non, c'est pas qu'on soit ou de deal et vous prenez la parole avec. Est-ce que madame veut faire la parole confiance au lieu de regarder ou même qui vient dire ça? Le plus souvent, nous avons regardé qui monde qui dit la parole là pour l'accepter. Ça peut arriver si c'est un monde qui est au niveau qui dit ça ou quelqu'un accepte. Mais si c'est vous-même qui a dit, ah, c'est all game. Mais
Moi-même, quand nous sommes un petit bébé, dès qu'on prend la parole là, même nous assurons ouvrir la Bible, moi, la parole là, mon quoi, c'est comme ça que tu as doué. Pour nous marcher de même pas, il faut que nous ayons la même conviction ensemble, il faut que nous croyons la parole là, même ensemble avant. Mais si nous ne croyons pas la parole là, même ensemble avant, c'est vrai que nous sommes ensemble, nous ne pouvons pas marcher de même pas. Je ne sais pas comment tu as pensé. Ok. Gagne un pire bagage, nous avons une opinion différente. Là encore, c'est sagesse. Ou même qui parlait à mon nom, ou voulez faire le lumière. Moi, pas connaître de qui sujet on parlait exactement, mais moi, abordé comme ça. Abordé question comme ça. Par exemple, toi, parler de si là, on dit monde qui mangeait viande cochon, par exemple. Et puis, monde qui va manger de cochon. Qui est peut-être sanguin? Est-ce que vous comprenez de là? On regarde bien le monde qui peut faire discussion sur ça seulement, au point que l'un qui a tué l'autre. Mais, son opinion, parce que, il y a des gens qui pensent que tout ça, bon Dieu, créé bon, les prier, depuis le prier, se dit, mais bon, et le manger, bon Dieu, béni, parce que, c'est bon Dieu qui crée nous pour manger. Ok? Et puis, au l'autre monde, il y a une opinion différente. Mais ça, par un sujet, côté pour nous élaborer la donne, pour nous faire une dispute. Nous, quand toujours discuter sur un sujet, mais le problème, non, c'est de nous quitter les discussions qu'on a fait, hein, nous venons tomber dans la dispute pour nous. Mais ça, nous venons passer dans un autre niveau. Que nous pas d'abord vivre là en tant que chrétien. Sur le monde, parlons de bagaille, nous devons analyser la vie, nous devons avoir une opinion différente, nous devons chercher un autre monde pour nous faire un débat avec nous, gens que nous avons fait là, sans que nous n'avons pas besoin de faire discussion, sans que nous n'avons pas besoin de discuter. Et puis tout, il faut que le monde ait une sagesse. Ce n'est pas parce que vous pensez au bagaille de façon. Et que nous nous faisons de l'autre façon, vous voulez, du fait que c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on nous fait. Ça veut dire que deux bons capables de gagner des problèmes. Des fois, on regarde d'une façon, et même là, des fois, on regarde, donc on a une image qui est montrée, nous six, deux mondes qui en face, nous chaque gagné, nous six devant eux. Mais le monde qui en face, il y a six fois là. La personne sont neuf liés. Vous comprenez? Et au même tout, si ce pas là, la personne sont neuf liés. Mais ça dépend du point de vue, ça dépend du côté nous positionner. Vous comprenez ça, vous là? C'est ça que fait, parce que j'en dis là, nous débattons, nous avons chaque monde le bon 6. Mais si nous avons entre le même et le deux, nous chaque après l'autre a bon 9. Mais si on vient pour troisième monde, non, car ouais, chaque bon six, c'est façon de positionner qui fait ouais, de chaque son neuf gagné. Par contre, si vous comprenez ça, me dites-moi. Donc, en question de ce mariage de l'Astibelab, frère Faustin qui dit, est-ce qu'un chrétien qui commet un péché plusieurs fois, est-ce que bon Dieu a pardonné mon ça, chaque l'aile commet même péché ça? Est-ce qu'il y a un monde qui a commis un péché plusieurs fois? Et est-ce que bon Dieu a pardonné monde ça? C'est ça que ça dit. Chaque fois que le péché, même péché ça. Moi, je pense que depuis que le monde fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, il se péché. Donc, si nous identifions même péché, si nous continuons à vivre le péché, tant que lui fait péché aujourd'hui, et puis de reconnaître que ce péché bien, de repartir le péché, et puis de décider aujourd'hui de le faire encore, de reconnaître que ce péché bien, de continuer le péché, même ça a bon bagage de manquer la caisse. Parce que le chrétien, c'est un monde qui est avisé. Le chrétien doit veiller. Ma parole de ma verbe,
il y a des gens qui peuvent fumer. Et puis, ils viennent convertir, ils disent fumer, ce n'est pas bagarre pour les faire. Mais, ils toujours à fumer. Et, que l'on veut ou non, les gens ont besoin de fumer, de chercher au côté pour mon parole pour faire ça. Donc, en plus de fois, l'homme et mon fait ça, la créer condition pour faire péché. Mais il y a un vrai chrétien, un chrétien qui grandit, qui peut arrêter le bébé. Les gens qui ont bagaille la paix, les que la fait tout le temps et qui contraire à la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il a besoin premièrement prier sur ça, premièrement chercher aide. Parce que c'est ça qui permet que nous marchions ensemble. Et c'est ça qui fait regarder longtemps, les mounions, les hauts chrétiens font un bagage, ils viennent à l'église, les avis du péché. Mais l'avis du péché, son bagage qui a été fait, que personne ne connaît, les viennent à l'avis de l'opinion, tout le monde connaît, les ça, les viennent mettre en garde. Côté que les villes mettent restriction à la caille pour ne pas tourner la même bagarre parce que tout le monde connaît. Parce que qui ça fait le monde continuer à faire péché? C'est parce que les jeunes opposition côté de que les pensées, le monde parle. Mais ça ne ça lui pas mettre dans la tête, quel que soit côté, bon Dieu. Well. Si le monde vit pour le monde, il continue à faire même péché chaque jour. Mais s'il connaît que la vie pour mon Dieu, la connaît quel que soit côté lié pour Dieu, ouais, laisse ça, il n'y a pas qu'à faire péché à ouvrir une nouvelle. D'accord, nous on fait place à d'autres questions. Si bien question parmi nous, donc à poser les messieurs. Par une deuxième partie de question. Oh, deuxième petite question, il dit, est-ce que bon Dieu a pardonné? Nous croyons quel que soit péché que le monde fait, bon Dieu a pardonné si nous reconnaissons le péché. Mais si nous n'en sommes pas là, choisi de faire, bon Dieu, ou est tout bagaille, bon Dieu connaît ce qu'il a choisi de faire. Si, avec conviction, tu as regardé la vie de monde, je pense que c'est un jour qui a dit ça, mais il a dit quand même. Il y a des gens qui ont appelé avec vous, ils ont dit la petite Bible à terre pour correspondre avec vous. Donc, le remède de Bible à terre, qui ça dit, l'on retourne en venir. Vous comprenez ça, nous là? Et qui ça qui dit tout, l'on est capable de retourner. Parce que vous voulez correspondre avec vous, et puis c'est une victime. C'est penser ça que vous n'avez pas gagné. Il y a des gens qui choisissent. Pour faire bagarre mal là, après ça, la main de bon Dieu, pardon. Mais bon Dieu, qui est en mettre, ou même comme juge tête, ou qui est en juger tête. Parce que vous prenez le pardon, mais vous prenez une décision pour faire, l'on fait faire, ou la main de bon Dieu, pardon. Ok? Si bon Dieu boit la vie pour demander le pardon, on peut toujours demander le pardon. Mais bagarre dit, l'on quitte bon Dieu, ou à correspondre à mon nom, on peut tourner à jeune bon Dieu. Ça veut dire, moi, pas qu'à dire si bon Dieu a pardonné mon nom ou non, ça dépend de qui Jean, bon Dieu, y est à mon ça. Donc, moi, pas connais si bon Dieu a pardonné mon nom. Mais, moi, connais pas de péché que bon Dieu va pardonner si on ne connaît plus à travers Jésus-Christ. Excepté péché contre le Saint-Esprit. M'a-t-il dit bien? À péché contre, on dit pas un péché que bon Dieu peut pardonner, et au sujet de péché contre le Saint-Esprit. Oui, yeah, parce que péché contre le Saint-Esprit, ou pas, jamais demander bon Dieu pardon pour lui. De vous péché contre le Saint-Esprit, ou pas, demander pardon. Parce que vous êtes en disci, vous êtes tourné diable même. Vous ne pouvez pas si pour diable, c'est ça pour péché contre le Saint-Esprit. Ça veut dire péché contre le Saint-Esprit. Péché contre le Saint-Esprit, oui, vers un niveau peut-être que ou pas mon encore. Qui ça fait au moins des pardons? C'est parce que le Saint-Esprit fait reconnaître
que ça va faire n'est pas bon. Mais si on ne reconnaître le Saint-Esprit, ou rejeter le Saint-Esprit, ou pas je demande pardon, c'est ça qui péche contre le Saint-Esprit. Parce que pour le monde accepter Christ, c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. C'est un problème que le monde gagne, les prêcher, faire évangélisation. Évangélisation, c'est prêcher la bonne nouvelle. Parler au nom de Jésus qui mourit pour eux, faire reconnaître que l'État vivant là, bon Dieu, à travers Jésus-Christ, car il la donne. Et Saint-Esprit, bon Dieu lui-même, lui aller, lui toucher que mon ça. Mais ce n'est pas ça au dire qui touche que mon nom. Parce que Dieu nous a parlé de Jésus, mais nous avons toujours parlé, mais ça n'a jamais pénétré. L'homme dit que Christ, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui touche le cœur. Si le Saint-Esprit ne veut pas toucher le cœur, il ne peut pas reconnaître le temps. Donc, pécher contre le Saint-Esprit, c'est rejeter le Saint-Esprit. Il ne peut jamais reconnaître le péché, il ne peut jamais reconnaître le temps. Et ça, il ne peut pas venir pardon. Parce qu'on ne peut pas reconnaître qu'on va vivre dans le temps qu'on a besoin pour sauver. N'attend d'autres questions. S'il y a des questions sur Facebook, on fait la lecture pour vous-même. Et donc, continuez à poser des questions sur là avec nous sur Zoom. Nous croyons que vraiment essentiel le message là, c'est l'unité. Comment est l'unité dans l'Église de nos jours, frère Faustin? L'unité dans l'Église, je vais te dire. Comme notre frère Lucien a dit, avant le dernier message, avant dimanche, le message que nous avons gagné avant, il était parlé de nouveau départ. Je pense que le rapport de Dieu pour moi, un message, ça a eu un nouveau départ. C'est parce que la question posée là, entre la dame, c'est parce que nous n'avons pas gagné l'unité, la détruit. Parce que nous n'avons pas gagné l'unité entre les chrétiens. Et le sens ça que bon Dieu vient de moi encore, il fait suite à nouveau départ là, c'est l'unité. C'est de ça qu'on parle là. Et l'unité chrétienne, c'est ça que diable a parlé. Et on peut faire toujours à garder l'église haïtienne, le nombre de Haïti, j'ai l'église a fonctionné. De fois, on a dit que l'église a marché à l'image du pays. Parce que le nombre de le pays, nous, l'union fait la force. C'est une belle parole. Mais regardez, malgré nous gagner le cri, pour nous connaître ça, je l'ai dit, mais nous, tout le monde dans le pays est divisé. Et nous sommes même entrés en dedans de l'église. C'est-à-dire que, à travers l'exemple que nous avons dans le message là, nous tous, nous faisons seuls en Christ. Nous faisons un seul corps. Tout le temps, nous ne pas considérer que nous faisons un seul corps, nous ne pouvons pas arriver à marcher ensemble. Parce que, je me dis par exemple là, les pieds nous sales, ce n'est pas un choix que nous faisons pour les pieds nous sales. Ça peut arriver que les pieds nous sales, ça peut arriver que nous ne pas prêter attention qui fait que nous sommes sales. Ça peut arriver que nous avons marché, nous pieds nous bagages que Dieu ne pas ouais, vraiment. Mais là encore, c'est parce que nous ne pas veiller quand nous mettre les pieds nous. C'est tout ça qui est entré dans le marché ensemble. C'est tout ça qui est entré dans l'unité. La veille pour moi, ma veille pour vous. C'est ça qui fait des fois où il y a une opposition pour parler avec lui. Et des fois, c'est parce que parler avec lui qui fait lui quitter sa affaire. Parce que il y a des gens qui prennent position pour le faire.
des fois, pas nous rendons compte que nous avons mauvais route. Mais ou même qui a marché ensemble avec lui, qui a veillé sur lui, ou ramener par parler avec lui. Mais regardez le même cas ça toujours, si on ne considère pas tant que fait partie du même corps, on va critiquer et ça encore, car on tire encore. Donc, on va que nous devons passer sur bien pile, comment pour nous marcher dans l'unité. C'est une enveloppe, c'est fixer ce genou sur Jésus et quitter cet esprit à travers le monde. Bon, quel conseil que tu as donné à l'Église pour nous arriver à l'unité? Il y a une mère qui fait et l'Église. Un peu le monde l'église disait, c'est parce que il manque qu'on connaît la parole de Dieu. Parce que tout ça que nous faisons, nous tous faisons même expérience là. Mais nous acceptons Christ, nous-mêmes pour qu'on comprenne, nous réalisons nous venons l'autre monde. Mais au fur et à mesure que nous avons marché dans l'évangile, nous venons baptiser quelques péchés et nous venons qu'imbéer comme bon. Moi, j'ai fait expérience de la police. Nous, à la formation à l'académie, nous montrons un peu de bagaille. On y a l'heure où aller sous terrain pour en pratiquer sans apprendre. Et moi, si je veux, je nous, un de travail, le commissariat qui était à Beladé, moi-même avec mon confrère, nous étions ensemble, donc nous travaillons ensemble en dehors. Et tout ça qui était fait, nous faisons selon ça, nous étions après. Mais vous connaissez, le policier qui était là avant, yo, nous venons, il y a nous 3 mois pour nous venir, pour nous quitter pratique ça. Parce que nous sortons fraîches dans l'académie, nous voulons appliquer ce que je vais prendre. Mais là, on commence à soutenir, on commence à écarter de ça qui était à peine. Mais c'est le même genre. Là que nous venons accepter Christ, il y a un peu de bail que le pas connaît. Mais le divin accepte Christ. C'est ça qui fait divinité pour le petit monde. Il y a l'église, mais pour la formation. C'est un peu de bail qui est vraiment important pour l'église à faire, c'est former le peuple. Parce que il y a un peu de bail que le peuple a fait, c'est parce qu'il n'y a pas de formation, c'est parce qu'il n'y a pas recyclé, c'est parce qu'il n'y a pas cyclé. Il y a un peu de bail que le pas connaît. Le conseil que nous avons à l'église, c'est chercher à former le peuple, gens que nous faisons là, nous faisons débat, et nous devons faire ça plus souvent, études bibliques, chercher moyen à ramener le peuple, parce que nous, l'église, parmi les études bibliques, et c'est la seule façon qui va faire grandir, c'est de nous donner la parole. Et là, nous, dans nos portions de Bible, nous avons partagé le conseil. Ça vient de l'autre à comprendre partie ça, à comprendre façon que vivre là, est-ce que vous avez appliqué ça à ton dans vie. Et c'est ça le plus Dieu fait. Montrer chrétien comment vous devez comporter, montrer chrétien comment vous devez vivre, montrer chrétien qui ça qui pas pour vous. Parce que c'est une bagaille, c'est un problème que nous avons. Chrétien, il peut dire identité. Il ne peut pas identifier un chrétien à l'ONU, en pile fois. Et ça t'a dit, ça t'a dit, comment faire? Vous avez un chrétien pour voir son chrétien grec. Parce que les chrétiens sont à part. Automatiquement, pour accepter Christ, vous venez une nouvelle créature. Tout le bagage est ancien passé et tout le bagage est venu à l'autre.
nous attendons d'autres questions. Et nous posons des questions, les pas des questions. Il y a un problème qui gagne, c'est que il y a un problème qui cause manquer l'unité, ce que vous pensez, c'est lorsque moi oublié qui est moyé et oublié qui est souillé. Ça qu'à cause que nous pas unis. Toutes les fois que me songer qui est moyé qui est souillé, ça cause que nous faisons route ensemble pour nous marcher du même pas. Question que nous devons poser, vous sortez là, vous faites expérience dans la police. Nous posons des questions parce que un peu de monde capable d'attendre une réponse là et nous même temps d'attendre une réponse là. Étant donné que vous faites expérience dans la police, d'après vous-même, est-ce que un chrétien, est-ce que un chrétien capable d'entrer dans la police ou du moins dans le militaire parce que l'obligé pour des armes et que les conditions qu'a présenté devant l'obligé de tuer? Il est obligé de servir avec Zam que vous amène là. Qui ça vous pensez? Oui, un chrétien qui peut faire partie de la force de police. Un chrétien qui peut faire partie de l'armée. Et une police, par rapport à la formation pour tuer, non? Il n'y a pas un bon pour tuer. C'est arrivé que le monde doit mourir parce que nous mettons en travers absent la police, mais nous mettons en cadre de la police. Et l'expérience que je fais dans la police, tout le monde me fait que moi, je fais une commission pour mettre à les âmes ou bien faire un bagage sur moi. Ce n'est pas parce que vous portez des armes qui fait ou obligé d'utiliser, ou bien l'homme qui a utilisé les armes. Est-ce que son chrétien est encouragé, j'encourage, ben c'est bon Dieu si il accepte que l'on fasse comme ça, la protéger pour qu'elle j'aime le vieux dans le côté pour arriver et après ça. Mais ou pas. Donc, il faut que vous chrétien à la tentative de force de police. Nous avons d'autres questions. Merci un peu, frère Faustin. Nous avons d'autres questions. Bonjour, bien, frère. Avant que Sœur Albin pose une question, nous avons ajouté pour dire que nous avons appuyé Frère Harry parce que l'autre. World Police là, et deux mois, c'est un mois dans force antique et on continue capable de faire partie parce que police qui World Police, c'est protéger et servir. Donc, on est dans le sens que à partir de deux mois, ça, on continue à faire partie des polices. Mais dans la deuxième partie, parce que tu as déposé, on va dans le palais de lui, frère. Vous pouvez rappeler, monsieur Robin? L'armée. L'armée, oui, moi, je dis ça, oui. Vous pouvez faire partie de l'armée. Parce que l'armée, qui s'est passé tout? Ni police là. Il y a différentes fonctions qu'on a occupées dans la police et dans l'armée. Et, que l'on veut ou non, comportement, il y a des actions militaires ou des actions policières qui ont fait. Il n'y a pas de voyage. Est-ce que vous comprenez ça, M. Dozola? Parce que je connais qui type de monde qui a besoin. Et ceci me fait expérience depuis l'académie. Depuis l'académie, où est qui est sorti? Et moi, toujours dis ça, moi, quand on a raconté l'histoire, ça, moi, j'ai un policier qui est dans l'académie ensemble avec moi. Je ne peux pas arriver à travailler. Parce que vous partez dans la police pour être venu servir et protéger. Et automatiquement, que vous gradiez, il faut que vous gradiez. Mais vous mourrez après le film de Dieu. Parce qu'il y a le volet. Est-ce que vous comprenez? Parce que il y a des gens qui ont été dans la police. Ce n'est pas un peu pour protéger et servir.
nous avons fait contact avec une femme légale pour la faire apprendre. Vous comprenez? On va aller ici, Algen. Ok. Bonjour, mon frère. Alors, on passe à cette question. Question que vous posé à Pastor, que vous avez de partie là-dedans. Mais, question par moi, c'est concernant. Même les gens pas chrétiens, alors pas chrétiens, non, amen. Même les gens pas police, vous voulez dire. Est-ce que c'est normal pour un monde qui pas police, de un zame la caille? Parce que, je pense que nous avons discuté et question ça en pile sur un groupe. Et puis, les gens nous ont dit, bon, j'en peux y aller, j'en suis dans une zone qui est difficile, bagarre aussi posée, de un zame la caille. Bon, ma petite conversation, on parle un policier, est-ce qu'un pasteur, un serviteur quelconque, est-ce que normal pour des gens dans la caille? Ok, vous voulez parler de, est-ce qu'un chrétien qui a des gens dans la caille? Oui, est-ce qu'un chrétien qui a des gens dans la caille? Ok. C'est un police. Ok. Question ça, réponse d'abord, moi, je considère vraiment personnel. Moi-même, moi, j'étais dans la police. Je n'ai pas besoin de ça. En tant que chrétien. Moi seulement, je n'ai pas besoin. Ok? Mais, il y a des positions où on y est. Et, même là, lui-même, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Ok? So, l'identité personnelle à mon nom, tu connais si il a des âmes ou pas. Mais pour qui sont les âmes, c'est question que ça m'a à me poser. Parce que les âmes, ils doivent faire l'avenir de pour utiliser. Ils utilisent seulement pour tuer. Ok, Ferrari. Vous avez une sorte de tuer par rapport à nous tuer dans la police? Oui. Mais si vous n'avez pas d'intention pour détruire un bagage, vous parlez des hommes. De ce fait, vous traînez de bonnes formations. Si vous n'avez pas d'intention. Pardon? Pardon? Vous parlez à nous? Oui. Ce sont des bonnes formations qui, j'ai pu utiliser ces hommes. Parce que qui s'est passé? L'auteur, les mains blondes. C'était pour Karateka. En Haïti. Mais il y a un pur jeune Timon qui a la bonne caractère pour le cas Batman pour vivre un coup. Mais à bonne caractère, c'est un bagage qui faut vivre sage. Formation que le barou a, lui apprend nous tout sage. Vous comprenez? Mais attention. En plus, le monde s'est entré dans le karatéka pour battre le monde. Mais c'est un moyen de défense que bien. Ok? Les armes que nous avons gagnées sont un moyen de défense. Par exemple, le monde qui gagne les armes, du temps de nous, nous avons la carrière, de nous vivre notre vie, de le monde qui a essayé d'ouvrir la barrière. Si nous avons des seulement utilisé de tirer un lait, voler à pas battre, parce que voler à connaître si notre vie, nous. Vous comprenez? Mais, ça dépend de nous, mais de nous tous, qui avons un peu de la carrière, la tirer. Et, c'est une conséquence, parce que nous avons un monde qui t'a expliqué, moi, il y a un ingénieur en Haïti, mais il y a des âmes dans la carrière. Et puis, machine dans la cour de la caille, et puis de lever le monde qui a cassé la machine. Il y a les amis qui tirent le monde. Mais il y a des que le monde a mouru. Après ça, l'ingénieur ne vient pas à vivre. Parce que la conscience ne vient pas à Bochel, parce que il tue le monde. Il dit que le monde a cassé la machine, il a acheté n'importe ça, il a pris la machine. Mais du fait que tes gens amnés, ils utilisent le monde de mourir, et ils ne viennent pas qu'à vivre comme hier,
parce que nous voulons retirer la vie au monde. So, c'est un geste qui gagne le protézame. Il y a plus de monde qui veut protézame ou bien il y a plus de monde qui protézame, pas qu'on est. Ok, frère. Question que pour vous. Par exemple, vous êtes policier, vous n'avez pas de geste. Mais si tout fort, vous êtes geste. Vous êtes geste dans la caillou. Vous voulez me faire mon empire. Et puis on va aller entrer la caillou. Ou des possibilités, c'est quoi du barreau qu'on a avant? Ou des possibilités pour tirer voler. Et puis voler à contrer, pour ne depuis l'entrée, la vine touille madame ou la vine touille petit ou frère. Et tandis que la Bible dit pas tuer. Comment t'as vu la situation ça? Ok. Vous êtes policier, vous êtes un homme? Vous êtes un homme? Vous êtes un homme? Vous êtes un nous avons des âmes, je ne sais pas si nous voulons dire que la gamme a bien temps pour nous les âmes. Parce que les âmes sont toujours sous clé. Ok? Et puis, on m'a dit qu'il s'en a fait. Si vous voulez être avec la gamme, je pense que c'est un esprit qui voyait pour nous convertir. Ok? Ou bien, c'est l'heure qui arrivait. Ce n'est pas même que bon Dieu de juger. Parce que, que l'on veut ou non, moi, les âmes, tout le monde a entré la caille, mais notre vie en danger, m'a défendu. M'a tué l'avant. Bon, pas dit m'a tué, mais m'a défendu. Ça a arrivé pour moi. Même pas. J'avais dit, si vous, il m'a responsable, vous pouvez vous en parce que mais la Bible dit, on va le tuer. Non, on va le tuer. Mais ça arrive que le mourir. Qu'est-ce qu'on va nous amener là? Parce que, bon Dieu, si on ne peut pas entrer la caille, on va pas parler des âmes pour rien. Actuellement, on va les âmes. Ok? Mais si on va entrer la caille là, pour rien, ou parce qu'on va croiser deux par les membres de nous, non, on va défendre tête. Et ça qui arrive que le mourir toujours. Parce que quelque chose à stade dans la carrière, parce que je suis. Est-ce que vous avez besoin de là? Moi, pas violent, mais tout le monde a demandé, vous avez besoin de là? Si vous m'avez vu, vous pouvez tuer. Moi, je ne vais pas tuer. Je ne vais pas quitter le tuer. Vous avez besoin de là? Mais si on passe, frère, moi, la Bible dit. Moi, la Bible dit pas tuer là, et tout le temps, nous pas gêner. Non. Je ne vais pas tuer, non. Moi, je précise pour vous, parce que moi, je suis conscient de ça. Parce que si ma balle, si ma balle, je ne peux pas choisir quand je peux me balle. Vous comprenez tout le temps? Je ne vais pas aller dans le pied. Vous comprenez? Ok, un point exemple, mon neveu venu là, je m'en demande ce côté là. Je ne vais pas aller avoir là. Moi, je suis venu, je me demande de me donner la paix. Vous pensez que je vais taper tout le monde dire, au nom de Jésus, je vais faire ça. Non, je vais dire ça. Si ça, c'est ça que je fais toujours. Je dis que Dieu merci. Parce que des situations que bon Dieu connaît, les réactions que je vais gagner. Parce que bon Dieu connaît. Et c'est ça que je fais, je vais faire bon Dieu confiance. Il y a des bagages que je vais jamais faire. Mais si on pense que Jésus-Christ qui dit, sous mon bon calme, bon couche, la balle, bon droite, là. Jésus dit, si vous avez un calotte sur votre bouche, vous avez un bon droit. Nous souvent prenons textuellement. Mais ce n'est pas ça que je veux dire vraiment. Non? Parce que Jésus, tu vois un calotte. Vous avez Jésus calotte. Jésus m'a dit, mais on pose une question pour vous, on pose un calotte. Jésus m'a dit, le droit. Est-ce que vous comprenez? Mon calotte dans le bois, c'est pas venger. Par exemple, si on monte sur calotte, il ne peut même pas. Et qui ça fait mon bon calotte là-dessus? Tout ça la donne. Parce que là où il faut cause l'évangile, quelque chose ça nous faut faire pour l'évangile, mais promis. Mais pour ça, tout le monde qui prend le bateau, ce n'est pas pour l'évangile. Par exemple, on est d'un barreau comme la caille. Ce n'est pas pour l'évangile. Ce n'est pas pour ça que nous c'est pour
ok? Mais si c'est pour l'évangile, on va prêcher au bon calotte, on va pas le gouvernement. Parce que prédication, on n'a pas fait. Mais, donnez, si on est là les hommes, on est là, la faire menace, nous tirer le pied, est-ce qu'on va la faire le bon? La victime? La même chose comme ça, dit Fouari, depuis mon entrée là, quand nous avons tué la vie de nous, ça veut dire, on va prendre avant. Mais pourquoi prendre avant, on va prendre avant? Non, on va dire ça, on va dire ma première. Et où est-ce que ça t'a fait? C'est Claudie. Non, pas comme ça, Claudie, c'est en Guine. Où est-ce que ça t'a fait? C'est des soeurs en Guine. Par exemple, monsieur, par exemple, voilà, il y a un monde qui est un monde barrière à la caille. Mm-hmm. Par exemple, si on a un barrière à la caille, hein? Ma femme me connaît moi et puis me connaît la police. Mm-hmm. Ok? Si moi, je suis en train de faire ma caille, je vais mettre sûr que la famille est en sécurité. Parce que comment je vais rentrer la caille, c'est que télévision, je vais en bas de besoin. Si on va dire que nous allons nous acheter n'importe quoi, parce que nous allons nous faire des bails, non. Mais si le monté côté que m'a dormi, un côté que petit m'a dormi, m'a empêché d'entrer par n'importe qui moyen. Vous comprenez? Ok. Ça veut dire là, si on chrétien qu'on est un gros sang, il va avoir même besoin des âmes, parce que depuis le gros âme là, depuis. Depuis qu'il y a un bagage qui arrive, il y a un enfermage, même j'ai un ingénieur à tout le monde. Non, ça veut dire que tu as trois conseils pour chrétiens, mais tes âmes là, quand ils ne pas un policier. Parce que si le bagage est un âme, il y a tout le monde qui a le cas de machine. Ah, mais c'est ça, oui, un peu le monde ne connaît l'importance des âmes. Il ne connaît qui j'en peux utiliser. Parce que mon diable, mon diable policier, mon conformation, il ne parle pas de tout le monde. Ok? Mais est-ce que c'est pour les Haïti? Est-ce que c'est pour les Haïti pas apprendre tout le monde? Bon, ici, tu es le monde pour Dari. Il n'y a pas apprendre tout le monde. Mais pour les bons ici, et pour les bons ici, comme tu es noir. Ça, quand il y a un monde mourir, on va amener un policier, mais le policier pas apprendre tout le monde. Et puis, on va apprendre ça. Parce que, qui s'est passé? Et même, genre, il y a un monde qui. Nous allons entrer dans l'évangile, et puis c'est business manuel. Mais l'évangile n'est pas fait pour business. Il y a des pasteurs. C'est business manuel. Mais bon Dieu parle le monde, Jésus parle de mon pasteur pour venir faire business. Est-ce qu'on va expliquer clairement ce que je dis, l'autre Dieu va apprendre à tirer? Non, pas Dieu va apprendre à tirer, mais pas apprendre à tout le monde. Il va apprendre à tuer. Il va apprendre à tuer. Et là, on va le training pour capable atteindre target là, puis bien, pour qui ça même? Pour carité en vie même, pour qu'elle fasse tête. Bonne explication. On va aller dans l'opération et puis on arrive au jour où il passe. Même quand on va aller, on tire sur vous, par exemple. Par exemple, on a un collègue avec vous et puis on tire le collègue là. Mais qu'est-ce qui se passe après ça? Après, on tire le collègue là. Il a tiré autour. Ok? So, qu'on est là, ou bien le seul recours, c'est défendre tout. So, on est obligé de stopper comme ça. Ok? Mais, là, on peut utiliser arme à feu, il n'y a pas à prendre le tiré dans le pied. Parce que si on n'a pas un balle dans le pied, il passe le tiré de nous. Mais on va prendre dans le pied, pas bien dire. Mais on est obligé de prendre le côté, pour apprendre, de tirer au côté qui est vital, de façon à ce que nous sommes au cas de mettre hors d'état de nuit. C'est pas tirer, je l'ai dit. Non, je n'ai pas dit tirer.
C'est ça le fait. Après que vous maîtrisez maintenant, où est l'ambulance pour lui, même côté. Parce que je pas de tuer mon nom. Je pas venir pour tuer. Au soit dire d'ailleurs, la police va vous protéger et servir. Mais si il pas stoppé mon ça, non seulement la police, mais le policier. Si le policier a bien amené tuer, il tuera au même qui est voisin. Est-ce que vous pensez que vous si force de l'ordre là, nous n'avons pas respecté. Et le monde qui est de côté là, qui dit le lit fait trop bruit avec la joie. Là, on a les amis retirés. Parce que Dieu fait s'enlever. Mais c'est pour ça la police là. Pour que des jours, pour empêcher s'enlever. Pour faire vivre en sécurité. Actuellement, nous sommes tous les gens là, nous sommes haïtiens. Mais nous ne pouvons pas vivre en Haïti. Vous pensez que c'était la sécurité en Haïti et là, nous sommes là. Bah, vous savez ça. Vous voyez? On peut le dire par là, mais on peut le dire autour. Tu as préféré la crème. Mais est-ce que Haïti c'est la sécurité? Vous n'avez pas la sécurité à quel côté? Mais pour que ça nous répète. Pardon? Pour que ça nous vive là, parce que d'après l'analyse que fait ici, il y a plus de sécurité qu'à Haïti et nous étions là. Donc, il y a toujours des prétextes qui fait que mon Dieu pourra vivre à Haïti. Non, c'est parce que vous acceptez de faire des bagailles et vous acceptez de marcher sur le principe de la loi. Et ça fait que pas marcher sur le principe de la loi en prison. Et ça fait que les pires haïtiens, ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas respecter la discipline que vous avez pour arrêter le pays à vivre en sécurité. Mais si la compare ici avec Haïti, Haïti, ils n'ont pas de aucun principe. Parce que quelque chose soit respecté ou pas en sécurité. Qui ça fait ça? C'est parce qu'on vient dans la caille et puis n'importe qui entre la caille. Mais ici, tu vas bien ça. Pas souvent. Voilà. Mais toutes les défections, ça qu'arrivait, bon cas isolé. Vous comprenez? Mais, à plus au bon minimum. Parlant de sécurité, frère, supposons que l'église Haïti, actuellement, à cause de ces zones de sécurité, l'église n'a pas fonctionné, obligé de gagner des agents de sécurité devant l'église. Là. Parce qu'à mes fois, ils entrent dans l'église. Est-ce que vous pensez à l'église qui a gagné des agents de sécurité devant lui? Oui, je pense à l'église qui a gagné de sécurité devant. Mais tout, je pense si l'État dirige l'église. On n'a pas besoin d'un agent de sécurité. Ça veut dire, dépendamment de qui approche mon nom, comment mon nom gère les hommes. Ça dépend de qui peut mon nom y la situation. Il y a des fois, on va parler de eux, mais on va connaître dans quelle situation que mon nom y est. Vous comprenez ça maintenant? Parce que gagner l'église ou gagner l'église avec sécurité devant, c'est parce que à chaque fois que Dieu te souhaite casser l'église, il y a casser l'église. Si maintenant dans l'église a dirigé, chaque temps il y a mis barrières, cadenas, depuis des dispositions sécuritaires pour sécuriser l'église et qui veut casser. On est obligé de mettre le monde pour se souvenir. Ce n'est pas arrivé, des fois, nous juste dans l'opinion, sans que nous partons, pour que ça s'en fait. Bon, on apprend que le pasteur, est venu prêcher Manhattan, est chargé avec des agents de sécurité, Negazam. Et puis, ils mettaient dans un tour qui est blindé. Est-ce que vous pensez que le tadoué comme ça,
et pour situation ta coupe comme ça obligé à prêcher non vert qui blindé des agents de sécurité tout partout parce que pas seulement ici yo yo gain des agents de sécurité là pas au parlement yo on saisit pour un valet de gazam qui bon côté yo gain secret service pas yo sont passé de un cas comme ça. Je ne peux pas dire, je ne pas si je suis qui a prêché là, mais je toujours critiqué le pasteur qui a gagné la sécurité. Parce que le n'est pas gagné. Mais pasteur, ça, c'est un pasteur qui a gagné pile mon capteur de lui. Il a gagné pour l'église. Et il a prêché au chôté. Et puis, le film péché un peu, tout le monde besoin de moyens, tout le monde besoin de toucher. Comme il vient tomber à la même. Parce que des milliers de monde, tout besoin de toucher. Et même Jean Dadio, le gros vedette qui est arrivé au côté, tout le monde besoin de toucher, pour qu'on ait un chiffre même. C'est ça qui fait que la femme nous est obligée de sécurité. Et parce que ça, les défis de péché, tout le monde besoin de toucher, dit notre mourir. C'est un gros écouté avec lui, ou bien qui était, je ne sais pas si c'était parce que je ne sais pas bien, mais qui était intervenu, il était costaud, il poussait mon nez et puis il retirait. C'est depuis lors, il est venu par sécurité lui-même. Parce que il n'est pas parce qu'il était plein de taille, mais à cause de la situation, ça, il est obligé de sécurité avec lui. Parce que de son monde, il est venu un monde qui est important, il est venu un monde qui est populaire. On ne peut pas dire que le pasteur son vœu de pied, non, pardon. Mais ça peut arriver côté que nous avons bien de fou. S'il n'y a pas de sécurité avec lui, qu'on est allé qu'à vulnérable, ce n'est pas que nous voulons être pasteur, mais du fait que nous n'avons pas coordonné façon qui a approché le pasteur, ou bien tout a poussé, et puis écrasé le pasteur. Mais il a un peu de vie pour ça seulement. Mais celui qui a sécurité avec lui, il n'y a pas de limite. Donc c'est ça qui fait que je vais critiquer le pasteur qui a sécurité avec lui, parce que je ne suis pas formé pour qu'il s'agisse de sécurité. Donc l'évangéliste Rousse qui dit comme ça, on a appelé pour même, évangéliste Rousse dit, les messieurs qui t'ont changé l'argent dans le temple, t'es entré dans le fait marché noir. Jésus n'a pas fait littérature avec eux pour dire, non messieurs, faut que nous gagnions en amour, faut nous pas faire injustice, etc. L'itéra le bâtonni et puis l'ité calé messieurs propre. Par conséquent, moun kap volé yo, le yo entré dans yon kay, yo vin non seulement pour yo vin volé, et puis pour yo touye moun nan kay la tou. Si yo gen zam, yo ralel sou petitou, ou bien madame ou Jean frère te di li, ou pa gen choix, ou dwe krasé li. Si ce n'est pas ça, ils sont capables de trouver toutes 4, 5, 6 personnes qui sont dans la caille. Sans dire de ça, frère, crasez-les. Bon, j'aimerais te dire déjà, si on dit que tu poses une question ça, personnelle, moi, d'ici, ça t'arrive à la caille, ou moi, entre la caille, moi, je vais faire une tête. Je vais protéger le fumeur parce que moi là, comme protection. Mais exemple de Jésus, il a été entré dans le temple, il était allé macabre, et si le macabre, ce monsieur qui t'a vendu, qui t'a fait temple tourner, le caverne de voleur, je me suis dit. Mais il a regardé après Jésus, à travers toute l'histoire de la Bible, et disciples, apôtres, ne pas avoir rien de ce genre qui te fait. Mais il y a un exemple que nous avons appris.
Ananias et Saphira n'ont pas de se tromper de l'Église. Mais bon Dieu lui-même était agi avec eux. Donc, nous-mêmes qui acceptons Christ, nous-mêmes qui croyons en Jésus, qui croyons en bon Dieu là pour protéger nous. C'est ça qui fait tout un abdi là, il n'y a pas fait partie de ville, bon Dieu pas quitté l'arrivée, non. Parce que nous avons une protection qui sortit en haut. Et nous avons marché avec sécurité, nous avons marché avec la police, nous sommes victimes des fois. Il y a des gens qui ont des présidents qui ont des armées qui ont protégé eux, ils ont eu mourir la balle. Mais nous-mêmes, nous avons une protection qui sortit en haut. C'est ça qui fait que le conseil de bagaille n'a pas besoin. N'a pas besoin de chercher notre sécurité par nous, parce que nous cachons en Christ. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens viennent accepter Christ, le mourir avec péché. Si on va vivre peut-être bien encore la vie pour Jésus, pour sécurité dépend de Jésus. Bon, on a juste rappelé une petite parole Jésus-Christ a dit. Avant que nous rappelions les paroles à Jésus-Christ a dit, c'est même histoire où on est entré la caillou, où on a défendu tout. Apôtre Pierre, ça te révèle. Il te pensait que le cas de défendre tête, il allait épile, il coupait les oreilles Marcus. Jésus-Christ te prend les oreilles, il collait dans la place. Li. Il te dit une parole. Il dit, qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Qui sont pensés de ça? Parce que le pape d'accord que l'apôtre Pierre défend tête. Marcus n'a pas fait rien à Pierre. Marcus est venu arrêter Jésus. Et le ça, c'est le Jésus qui est arrivé. Jésus est venu pour une mission spéciale. Et Pierre, tu voulais empêcher que la volonté de Dieu accomplie. Et Jésus est obligé de coller sur Marcus parce que ça parle en plein de Dieu. Si ça fait nous, si ça t'est arrivé que on est entré la caille, si c'est pas pour venir convertir, mais et parole ça généralisée, frère, qui frappe par l'épée, périra par l'épée, par occasion, ça seulement, mission Jésus-Christ, son parole qui était célèbre, qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Son oui. Façon pour dire, pas qu'à défendre tout. Ah, mais c'est ça que fait, bon Dieu, pas j'aime quitter voler de la mer. Ou pas que voler. Mais tout frère, ça me devait ajouter. Tant qu'on qui croit au cagin zam la caillou, si on vole entre la caillou, je dis à tout elle. Ou pas le plus souvent, mon sale qui a fait rencontre là. Mais elle m'a discuté ça sous groupe là, ça me dit. Nous disons, nous qui croyons protection dans les âmes, et bien les âmes n'ont pas travaillé pour eux, ils ont fait un contact avec les volets, et puis ils ont défendu eux. Mais nous qui croyons, ils ont couvert un bassin, ils ont cet esprit de protection. Ils n'ont pas jamais perdu de rencontre parce que nous connaissons des mouns. Ils ont voulu les tuer, vous devez changer l'adresse Kaila. Vous n'arrivez devant Kaila, ni pas Kaouen Kaila. Parce que leur croyons, tout là, vous ne contrôlez pas Dieu. Parce que c'est ça qu'il dit dans la parole. Il dit, on branche dans la tête. Nous, pas tomber sans permission. Je ne sais pas si ça m'oblige à mettre ton âme la caille pour s'y voler vini. Et bien, soit on met ton âme la caille pour s'y voler vini, et bien, on peut retirer la possibilité de faire ça. La petite volée rentre pour même pour s'y mettre pour s'y mettre parce qu'on peut tirer l'âme. Moi même si je n'étais pas contre moi les âmes. Vous comprenez, moi pas contre moi les âmes qui va prendre les âmes. Depuis que je me couche, je me dis je me couche, je m'endors. Ça peut être à ma conflit. Même les volets arrivent de me dire. Il pense que la carte de loi numéro de dire changé, oui. Christ est changé numéro de dire longtemps. C'est pour ça que je me colle. Parce que bataille pas nous-mêmes dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une bataille physique. Il faut battre épée pour épée, c'est ça que nous avons besoin de connaître. Son bataille spirituelle qui est liée, parce que nous n'avons pas eu un apôtre
c'est comme faire ça y a dit avant parce que c'est le souillé pour nous garder c'est même c'est sous les bénédictions à prendre naissance m'a pas on t'attend nos pasteurs dit comme ça lui même dit supposé des manchettes dit supposé des exams mais sous faire toute préparation ça yo on invite tout le monde venir parce que c'est pour ça que dans la nature soit penser à soit imaginer soit venir la vie pour nous quand même Ça va bien attirer la venue. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas jamais pour le concert. Là, je ne vais pas conseiller un chrétien pour le diable. Parce que immédiatement, pour le diable, là, il n'y a pas de rentrer dedans. On va bien haine. Parce que des fois, on va me laisser tuer, on va me tuer, c'est venger, on va me venger. Si Christ lui-même lui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, je ne vais pas avoir qui moi et qui moi et Christ pour me tuer, je ne vais pas avoir. Je ne vais pas me dire, si on va se faire me connaître, nous même qui nous n'en voulons. Mais c'est ça que moi je dis, malgré que mon dégazam, mon dégazam la carme, mais on était make sure que la carme, mon dégazam qui est clé, pour me faire mes amis. Parce que les amis, ça ne va pas gagner pour me défendre tête dans la carme. Parce que mon premier, on vient le Saint-Esprit à l'homme qui peut défendre. Mais pas mettre tête là, mais dépendre de bon Dieu et sécurité, sauf qu'il y a un haut. Ce n'est pas des amis pour me défendre, mais les amis, c'est des outils de travail, mais et que moi, je suis là, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de travail. Parce que ça m'a dit, la majorité parce que à Haïti, il y a des amis. Il ne faut pas marcher sans amis. Il y a des amis, il y a des amis dans sous yo. Parce que vous croyez que ces amis qui protection. Moi, je ne sais pas si protection Jésus est assuré. On passe avec ZAM, on parle avec ZAM, on voit pas de différence. Et que mon tape sans tout, pour un vol, les barreaux, ou les ZAM, on parle de tantis, les volets, les tantis, ou à tout ZAM. Bon, eh bien, pas même les tantis. Il y a une nouvelle qui vient arriver, c'est que leur comportement comme ça, ou pas de l'évangile pour voler. Voilà. Nos volets, ou bien les ZAM, pour les. Tandis que voler, vous êtes supposé qu'à prêcher l'évangile pour notre famille. Et voler à tout, vous êtes capable d'identifier que vous êtes serviteur de Dieu de l'univers et pas vous de parce que vous avez l'armée, vous avez sécurité qui a marché à vous. Vous êtes chrétien, vous avez sécurité qui a marché à vous. C'est ça que fait. Et lui te dit l'éternel ouvrit. Dieu guérit. Et guérit du Noé, l'armée qui est avec lui. Parce que l'eau acceptée. Jésus, c'est Dieu. Jésus vient, Jésus qui est l'armée avec lui. C'est ça que fait. Jésus te dit si de ta défendre de lui, ben Dieu t'a voulu l'armée de te couler. Le noir marché en nouveauté de vie. Ce n'est pas nous-mêmes qui vivons encore, mais c'est Christ qui a vivre. Nous avons cet esprit avec nous. Nous avons déjà des sécurités qui entourent nous. Nous n'avons pas qu'à avoir charnel. Mais si nous ouvrons les yeux spirituels, si nous quittons cet esprit ouvre les yeux spirituels, nous pouvons se rapprocher avec nous. Donc, évangéliste pour la main avec nous. Et pas témoigner ça. Évangéliste pour ça. Nous comptons avec nous. Et quand des bains qui va arriver, nous. Nous pas connaître. Il y a pas un bon Dieu qui t'est arrivé, là où qui t'est arrivé, c'est pour nous chercher à connaître pour qui ça l'est arrivé. Parce que le bon Dieu a protégé nous, nous ne pouvons vraiment connaître. Donc, il y a Evangeliste Rose qui dit quelque chose. Et avant que nous disions ça, Evangeliste Rose dit ah, c'est Sheila. Écrit, il dit Sœur Guin. Donc, il y a Evangeliste Rose qui même qui dit. Quel mauvais quartier ici? Les a fait offrande, ces potes y ont obligé fermer. Ces potes y ont obligé fermer. Si on pas fait ça, voler capable envahir, prendre panier l'argent et puis même tout le monde dans l'assemblée. Yon pasteur fille américain qui te dit ça pendant l'été vin prêcher dans l'église moi. Hier. C'était un jour soir pour l'église là te ouvri pendant offrande et puis pasteur a dit côté lié yon pas capable faire ça
yon zam, évangéliste Kousa continue, il dit yon zam, c'est pas seulement revolver. Non, c'est Holguin. Chaise, bouteille, bâton, en dan yon kay, ces zam yon etoui. Donc c'est ça, évangéliste Kousa te dit, frère Faustin et sœur Holguin. Bon, ça me capable répondre pour vous. Même les chaises, bouteilles, quelque soit son gain dedans, les séances âmes. Alors ça me voulait faire reconnaître lorsque vous l'avez totalement en bas protection Christ, vous venez pas pour vous encore. Ou pas hors de vie parce que là vous cachez dans Jésus. Si vous couchez un bon la caille, on va les entrer. On va les entrer pour venir tuer. Mba di ma pou nou plonge kou mba y vole a pou tuyem. Men mou konen tout, bon Dieu dit tout possibilité pou pa kite le rentre, parce que la vie c'est pour bon Dieu que liye, c'est pas pour moi que liye, et ou pa ka fè défense tête ou vrai. Ou te ka di kou se vole pou chèze, pou ba y vole a kou chèze, la se ka arrive le moment vole rentre, tout nan mou se tsou, ou pa même ka manye chèze nan. Ça veut dire, c'est pour ka comprendre, lem du kou sa, tout la vous c'est pour bon Dieu liye a, ça veut dire bagay sa yo c'est pas ou même qui va chercher connait parce que pas des monde qui ca défendre tête yo vrai des monde qui pia mais pas ça et puis volonté la caillou victime ça veut dire protection c'est dans Christ digital pas ta ni dans bouteille ni dans chaise il va ou pas et pas même chaise là c'est un fourchette ses amis tout bagan dans caillou de gazam mais protection c'est dans Christ lié c'est pas dans ça yo pour quoi parce que pas ca protéger vrai. Parce que nous sommes 80, on dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, la branche de danger. Ça veut dire si je suis un ange bon Dieu ensemble avec moi, ça veut dire que là, les militaires, je suis un escouade, je suis un de là. Tout le monde a un camp qui la donne. Je suis un escouade. Nous sommes 34 qui dit ça. Nous sommes 34 qui dit ça. Bonjour, Benoît. La Bible dit que magistrat yo ne pas porter blâme yo pour blâme ici. Et lui dit que ça que lui porter comme si l'air porter blâme là, c'est pour yo capable. On fait lecture plutôt, c'est dans Romains 13, verset 4. Mais ce n'est pas même verset 4 seulement. Alors lui dit comme ça que magistrat, il dit le magistrat est serviteur de Dieu. Pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Ça veut dire que s'il porte l'épée en vain, et que il a exercé, il est capable de faire un problème, il est capable de servir avec des amis. Non? Oui, c'est pour ça que tes amis, il n'est pas pour tes amis. Eh bien, c'est ça. Ça veut dire que pour la Bible, oui, dit ça, on comprend nous, bon, quand tu as le petit peu, on va connaître. Et on va mettre. Une question que vous voulez poser. Verset 4, mais je suis en Brésil là. Coudien là, si par exemple, magistrat, ça, son serviteur, bon Dieu, qui est lié, pendant cette année, côté femme, et puis, il vient attaquer lui, il a fusillé mon ça. Est-ce que c'est contre volonté, bon, est-ce que bon Dieu a puni lui-même pour ça, parce que lui. Tu demandes ça. Si un monde vient attaquer, et puis tu demandes ça, est-ce que vous avez puni pour ça? Oui. Bon, magistrat qui est des hommes là. Bon, mais tu viens attaquer là, vous connaissez des hommes, vous voyez? Non, mais c'est la Bible qui dit ça, il dit que un serviteur, il dit que un magistrat, c'est serviteur bon Dieu qui est lié. Il parle d'âme en vain,
et peli là les poteli nous poteli c'est pour comme si c'est pour bien pour exercer pour nous t'a fait mal ça veut dire pour nous n'a bien fait mal et puis qu'on y a nous t'a question d'intégrer vie qu'on y a un magistrat à tirer magistrat ça son serviteur bon Dieu qu'il y est mais c'est la Bible dit est-ce que magistrat ça bon Dieu pral punir par le fait que lui tirer ou non. Il a dit bien qu'on va y avoir tiré. Ça veut dire nous venons. Bon, c'est parce que nous prenons sur la forme. C'est même ça, il y a enseigné policier et tout. T'as dit tout à l'heure, mon Dieu, policier, il n'y a pas à prendre sur nous. Ça qui arrive que nous m'en mourir. Mais ce n'est pas policier qui tue nous, vraiment. Sous quelle forme. Par exemple, exemple pour la haute magistrat, nous avons des armes, et que nous avons un peu tué, et nous tirons nous. Nous avons un mourir. Mais si on peut analyser, c'est le magistrat qui tue nous. Parce que nous avons déjà connu magistrat qui a des armes, et nous avons un peu tué magistrat. Magistrat ne fait que défendre nous. Le défunt est bien, mon nom est venu. Le magistrat Bardel, mon nom est venu. Je ne sais pas pourquoi ça a bon Dieu puni mon nom, parce que le défunt est bien. Parce que je ne sais pas si le magistrat a mon nom. Le monde vient pour tuer, de 15 ans, le défunt est bien. Mais ce n'est pas la Bible dit, la Bible dit comme ça que n'est pas pour tuer ça en ville. Ah, c'est ça la Bible dit. Il n'y a pas pour tes amis, mais ce n'est pas pour belle faire pour tes amis. Mais c'est ça. C'est pour nous, pour qu'à défendre, pour qu'à défendre le monde. Yeah. Si on ne pas respecter ça, et même j'en servis de mon ouais, en pile fois, mon ouais la police. C'est vengeance et punition. Ça veut dire que. Bon. Yeah. En pile fois, on met de mon la police à juste. Regardez les réactions de mon passage. C'est ça qui fait ça arriver. Et puis, en pile fois, tout, mon en pile fois, je dis tout le temps, en pile fois, mon ouais qui tombe en contravention avec la police, c'est mon qui toujours gagne le code de la police. C'est parce que mon n'a pas marché selon discipline. Moi, songez à l'époque, Haïti, la police c'est qu'on a marché dans la rue et puis fouillé monde. Et puis nous avons la violence. Et puis a fouillé monde, il y avait souvent il y a passé. Parce que c'est façon, nous avons déjà mis une chemise dans le pantalon. Il y a un qui j'aime m'habiller, qui l'aime. Il a fouillé monde et puis là, il y avait souvent il y a passé. Ouais, son chef. Non, c'est pour m'expliquer que, à pire fois, nous n'avons pas de comportement. Nous avons un comportement que la police a recherché. Donc, pire fois, c'est comme ça que ça fait. D'accord. Nous avons un frère M. Pierre qui dit parole là, c'est plus gros âme, un chrétien. Nous avons un évangéliste Kourous encore qui dit Sœur Guin. Le David fait, le David te descend Goliath avec Fistibala, c'est pas de bravo, pas lui, non, qui te fait de camper devant Goliath, c'est mon Dieu qui t'a inspiré lui pour l'agir. Donc, ça, est-ce que tu as des sorgines? Bon, m'entendez ça frère vous dit ah oui. Alors, là pour exemple David frère vous m'a dit encore laisse ça c'était œil pour œil dent pour dent. Vous devez David on va même grand festival, dès qu'on va vous manger tout, il coupe tête brûlée parce que c'est comme ça bataille à terre dans l'époque ça. Mais dans l'époque pas nous on est différent. Crise dit crise dit il pas œil pour œil dent pour dent encore. Vous comprenez ça veut dire nous pas capable. Nous va pas prendre exemple David Kounia là nous même pour nous dire comme ça soit nous pas un festival là mais nous Goliath pas nous c'est pas un festival naturel vous comprenez Goliath pas nous c'est spirituellement n'a pas attaqué Goliath la bataille pas nous n'est pas physique
si on a une référence, parce que mon boy moniteur, est-ce qu'on a une référence pour bataille physique là dans le Nouveau Testament, ou quand on va pour moi, parce que moi-même, l'aime, tu sais, je vais arriver loin, je ne vais pas avoir une bataille physique. Ni m'a pas de mon Goliath avec mon festival, même parce que Zam pas c'est la parole, même bien pour l'instédia. C'est spirituellement moi-même. Par contre, on pense de ça, professeur. D'accord. Nous, frère, il est arrivé. Nous passons pour capable faire conclusion pour nous. Et pour nous capables de terminer. Ok. Nous voulons dire merci à tout le monde qui était. Participer de façon violente, de monde qui pose des questions, de monde qui sont absurdes. Et quelque soit j'ai participé dans l'étude là, nous avons apprécié ça. Parce que vous attendez, nous avons posé des questions. Et vous-même qui posez des questions, nous remercions tout. Et nous disons merci à Pasteur de ce qu'il a le choix de nous-mêmes pour nous poster un message. Et je dis bon Dieu merci pour tout ça qu'il fait. Et le message que nous avons gagné, c'était marquant ensemble. Et nous ne pouvons pas aimer dire à nous-mêmes pour nous marcher pour nous arriver côté que nous arrivons avec Christ. Comment aller dans la place que tu as préparé pour moi. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous devons marcher par l'esprit, marcher dans la vérité et marcher dans la lumière. Pour nous faire ça, nous devons focus sur la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu et demander à bon Dieu pour nous donner la lumière sur la parole de Dieu. Et mon père que mon Dieu a fait ça. En souhaitant que nous participions à l'étude, nous posons des questions, non pas juste faire un débat pour parler, mais nous faire un débat pour apprendre et pour nous chercher une façon pour nous voir ce qui dit qui bon, qui doit selon la vérité et pour nous chercher à appliquer dans la vie de chaque jour. C'est comme ça que nous devons grandir dans l'évangile. C'est comme ça que nous vivons à l'état d'homme parfait, bon, que bon Dieu t'a créé, nous, et que nous apprenons pour nous capables d'attendre le retour de Christ. Que bon Dieu parle à de nous tous, et que bon Dieu t'a appris tes paroles à eux, germer dans nous-mêmes, et faire nous grandir pour nous capables de vivre à l'état d'homme bon, parfait, bien que tu créé, moi, que bon Dieu bénisse. Merci bien, frère Faustin. Et puis, nous sommes capables de dire qu'il y a une bénédiction spéciale pour nous toutes.